Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, une séance de renforcement musculaire, rien que pour le haut du corps. On n'oublie pas ses haltères ou ses bouteilles d'eau, son tapis, ses baskets et c'est parti pour un petit échauffement. Allez, jambes écartées, genoux souples, pieds vers l'extérieur, on serre le ventre, on baisse les épaules, on tire sur la tête et ici on inspire, on se grandit et on souffle. Encore. Allez, on réveille tout son corps. Inspirez et soufflez. Encore une fois, on reste en haut et on incline à droite et à gauche. Allez, le ventre bien serré, les hanches ne bougent pas. On tire sur le bras. Allez, encore 4. On revient au centre, on descend et ici on pivote à droite et à gauche. Pareil, les hanches ne bougent pas. Juste la taille, on réveille le dos, les abdos, baissez vos épaules, encore, 4, 3, 2, et marchez. Allez, marchez, marchez, on lève bien les genoux, on fait aller ses bras. Allez, on va taper devant en croisant. Les bras à l'opposé. Toujours le ventre serré, souple sur les genoux. Encore. Reste sur la jambe droite et ici. Allez, on tourne, on fait un twist avec le buste. Jambes d'appui fléchies. Et change de côté. Allez, twist avec le buste. Et reprends en alternance. Jambes bien fléchies. Tape sur le côté. Cercle de bras. Et par ici sur le côté. Allez, on tourne bien tout le buste. On va chercher loin sur le côté. Pareil, on va en haut. Les deux. Et en haut, en bas. Reprends en haut. Et on fait de l'autre côté. En haut, en bas. En haut, en bas. Allez, on va chercher loin sur le côté. Quatre. Trois. Deux. Un. Et par en step touch. Bras en alternance en haut. Marchez. Allez, on inspire, on se grandit. On souffle. On va chercher ses bouteilles d'eau ou ses haltères. Et c'est parti pour le renforcement musculaire. Allez, on est jambes écartées, pieds vers l'extérieur, souple sur les genoux. On fléchit légèrement. On prend ses deux haltères dans la main droite. On allonge le bras.
On se grandit, on baisse les épaules et ici tout simplement on va incliner à droite. Allez, les genoux légèrement fléchis, on serre le ventre pour ne pas faire partir ici le bassin, juste la taille. Et on ne monte pas ici les épaules, on reste toujours bien droite. Les épaules un petit peu vers l'arrière pour sortir la poitrine. On ne peut pas voir ça ici. Allez, on inspire, on souffle, on remonte. Encore. Le bassin bien neutre aussi. Ne vous asseyez pas sur votre coccyx ici. Vous risquez de vous faire mal au dos. Allez, petit en bas. Petit rebond et on reprend 8 fois. Quatre, trois, deux, un. On reste ici, on serre le coude à la taille, paume de main vers moi et on ramène. On inspire. On souffle, on contrôle la montée, on contrôle la descente. Encore. Le buste ne part pas vers l'arrière, toujours bien droit. Et on reste en haut, petit en haut ici. Et on reprend, tend et fléchit. Mon coude bien collé. Allez, encore 4, 3, 2, 1. On reste en bas, on tourne la paume de main vers l'intérieur, on monte le bras sur le côté. Au niveau des épaules, le coude fléchi à 90. Pareil, le buste ne bouge pas, c'est juste mon bras. Encore, on serre le ventre, on serre les fesses. Et petit en haut ici. Et on reprend, on descend, souffle et monte. Encore 4, 3, 2, 1. On ouvre ici le bras et on incline à gauche en montant le bras. On verrouille son ventre pour ne pas faire pencher les hanches, juste la taille. Encore. Allez, 4, 3, 2, 1. On reste en haut, on revient bien droit, on attrape ici son bras. Pour le tenir près de l'oreille, on fléchit, on tend au maximum. Allez, on travaille les triceps. On verrouille son ventre pour ne pas creuser le dos. On ne bouge pas son poignet. Allez, encore. Petit en bas ici, petit rebond. Et on reprend, 8, 7, soufflez, allez encore 4, 3, 2, 1 et relâchez tout doucement. On met les pieds parallèles, on penche son buste, le dos bien droit, les fesses en arrière, on tire sur la tête, on allonge les bras ici et on monte sur le côté. Allez, la tête, vous ne la relevez pas, les cervicales ne sont pas cassées.
On regarde le sol, le ventre est serré. Allez, encore. Allez, fermez vos omoplates. Soufflez, montez. Jambes fléchies. On pousse les fesses vers l'arrière, le dos est bien droit. Encore 4. 3. 2. Et relâchez. On déroule tout doucement le dos. On réouvre les pieds. On fléchit les jambes. Cette fois-ci, les haltères à gauche. On se redresse. On y va. Et on incline à gauche. Épaules vers l'arrière. Ouvrez votre poitrine. Encore. Allez, petit en bas. Et on reprend. Allez, les 4 derniers. Inspire, souffle. Et reviens, tourne la paume de main, colle le coude, ramène en soufflant. Allez. Petit en haut. Et reprends, tends. Fléchis, on ne décolle pas le coude, les épaules bien basses. Allez, 4, 3, 2, 1, on tourne la paume de main vers l'intérieur, on monte le bras. Allez, le buste ne bouge pas. On monte, on ferme. Petit en haut. Et on reprend. Souffle. Deux. Un, on ouvre le bras et part incliné à droite. Souffle. Allez, verrouille le ventre. Encore 4. 3. 2. Reste en haut, on se redresse, on attrape son bras, on fléchit, on tend. Allez, soufflez, tend. Ventre serré. Allez, quand vous tendez, vous sentez la contraction ici dans le muscle. Petit rebond en bas. Allez, bon, ne faites pas comme moi, ne vous donnez pas des coups avec les haltères dans la tête, ça fait très mal. Allez, 4, 3, 2, 1, et relâchez doucement, on reprend les deux haltères, on remet les pieds parallèles, on fléchit, on incline, dos bien droit, cette fois-ci on allonge. Et on tire les coudes vers le plafond. Serrez le ventre. Les coudes longent le buste. Les fesses bien en arrière. On tire sur la tête, on tire sur les fesses. Et on y va. Oh.
Encore. Allez, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On pose les mains sur les genoux. On déroule tout doucement. Et on va chercher son tapis. On garde toujours ses haltères ou ses bouteilles d'eau. Allez, on est sur son tapis. On garde toujours ses haltères. On fléchit les jambes, pieds, largeur du bassin, les genoux également au-dessus des chevilles. On déroule tout doucement. Ici, on inspire, on souffle, on rentre le ventre, on plaque le dos au sol. On prend ses haltères. On garde les bras le long du corps. On pose la tête, on baisse les épaules. Et ici, on inspire, on souffle, on tire. Allez, inspirez, soufflez. On regarde le plafond, on ne regarde pas ses genoux. Encore 4, 3, 2. On reste ici, petit battement avec les bras et les haltères ou les bouteilles d'eau, comme vous voulez. Si ça devient trop compliqué, vous lâchez les haltères. Allez, on serre le ventre, on contracte ses abdos du haut, on baisse les épaules, on tend bien les bras et on reprend. Inspire, souffle. Encore 4, 3, 2, et reposer. On ouvre les bras sur le côté. Ici, les coudes sont fléchis à 90 degrés. Les coudes sont à hauteur des épaules. Et tout simplement, on va pousser les bras au plafond en soufflant. On souffle. Bien sûr, on a le dos plaqué au sol. Si vous sentez que vous creusez, vous ramenez vos genoux à la poitrine. Encore. Allez, on touche le sol, on souffle, on tend. Allez, on décolle ici le haut du buste. Quand on monte, les bras, toujours le ventre verrouillé, le périnée aspiré, remontez jusqu'au nombril. On tire sur les bras. Allez, 4, 3, 2, 1. On repose, on tourne les paumes de main à l'intérieur, on ouvre les bras. Et ici, on ferme au-dessus de la poitrine, on inspire, on souffle. Allez, dos plaqué au sol. Encore. Allez, on travaille la poitrine. 4, 3, 2. Reste au-dessus de la poitrine. On va serrer les mains. On rapproche les mains, on rapproche les coudes, toujours les coudes au-dessus de la poitrine. On descend les avant-bras et on tend au maximum. On descend et on tend au maximum. On souffle, on tend les coudes le plus rapproché possible. Encore. Allez, 4, 3, 2, 1. On reste fléchi, toujours les coudes bien rapprochés. On va les taper derrière la tête. Alors ici, on serre le ventre pour ne pas creuser le dos. On tape, on ramène à la poitrine. On tape, on ramène à la poitrine.
Encore. Allez, on souffle, on tape derrière et on revient. Souffle et reste au-dessus de la poitrine. On décolle les pieds, les genoux à la poitrine. On va tendre une jambe et poser derrière. Tendre une jambe et poser derrière. Allez, on peut essayer d'être parallèle au sol ou si c'est trop difficile, vous montez un peu plus haut la jambe. On n'oublie pas les coudes bien serrés. On souffle, on allonge la jambe et on pose derrière. Allez, encore. Quatre. Trois. Deux. Un, on reste au-dessus de la poitrine, on pose les pieds. À nouveau, on tend, on fléchit. On tend, on fléchit. Allez, 4, 3, 2, 1, on reste au-dessus de la poitrine, on décolle les bras et dernière fois ici, on ramène en soufflant les bras. On contrôle la montée, on contrôle la descente. Allez, les quatre derniers, on y va. Soufflez bien, dos plaqué. Et relâchez. Allez, on passe sur le ventre. On serre le ventre, on serre les fesses. Alors, je vous promets rien parce que j'ai atrocement mal au dos. Donc, je vous promets pas d'aller très haut. Alors, on a les mains ouvertes pour le moment sur le côté sans haltère. Et ici, on décolle le buste et les jambes. Et on descend en soufflant. On inspire, on souffle, on décolle. Et on descend en soufflant. Et relâchez. Alors, vous pouvez faire la même chose avec vos haltères. On inspire. On souffle, on monte et on redescend et on y va, hop, on monte. Et vous pouvez le faire plus rapide ou tout en douceur. Puis on reste en haut, on allonge les bras, on revient et on descend. Allez, hop. On allonge les bras, on revient et on descend. Encore. Allez, un petit dernier. Et on reste. Et reposez. On pose les haltères, on met les mains à côté de la poitrine, on décolle et on va s'asseoir sur les talons pour bien étirer le dos. On ramène les mains, on déroule et on va s'étirer. Allez, on est de nouveau assis sur son tapis, les jambes comme vous voulez, en tailleur, fléchies, tendues. On se redresse, on baisse les épaules, on serre le ventre et ici on inspire, on se grandit. Allez, on tire sur les bras, on baisse les épaules. On inspire, on souffle, on va faire le dos rond. On va inspirer, ouvrir les bras sur le côté, attraper dans le dos les mains et tendre les bras. Donc vous croisez vos doigts, paume de main vers le plafond, on ferme ses omoplates, on ouvre la poitrine, on pousse les bras vers le bas et en même temps on les décolle du dos. Allez, sortez bien la poitrine. Et on relâche le tout. On va poser la main droite, monter le bras gauche et incliner à droite.
on revient au centre. On fait pareil de l'autre côté. On monte le bras droit. On tire sur au plafond et on incline. Et on va relâcher sur les jambes. Le dos bien rond. Le menton sur la poitrine. Et on déroule tout doucement. Allez, on va monter à nouveau le bras droit, attraper son coude, pousser sur le coude pour étirer l'arrière du bras. Puis on change de côté, on inspire, on souffle, on appuie sur son coude. On relâche le tout, on attrape son genou à l'opposé, on met le bras droit derrière. On pivote. Puis on change de côté. On inspire. On souffle, on se grandit, on baisse ses épaules, on tire sur la tête. Et on revient au centre. Dernière fois, inspirez. Grandissez-vous, allongez votre colonne vertébrale sans monter vos épaules. Et soufflez, relâchez. Et voilà, notre séance de renforcement musculaire est terminée. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle marche active. Et oui, comme je vous l'avais promis, on en fera deux ce mois de mai. Et samedi prochain, on travaillera du renforcement musculaire, mais cette fois-ci pour le bas du corps. Allez, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous embrasse.